Bonsoir tout le monde, c'est Jolat, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur notre Grand Aventure Modée Stranded Raft. Souvenez-vous, la dernière fois on s'était arrêté juste ici, dans notre petite cabane. On avait déjà achevé quelques objectifs que vous m'aviez donné dans les commentaires, notamment ce petit enclos à poulet qui est juste derrière moi. On avait fait un petit champ de blé juste à côté, mais va vraiment falloir revoir tout ça, parce que là ça va pas du tout. Aujourd'hui en ce début d'épisode j'ai de très grands projets, de très très grands projets. Alors qu'allons-nous faire aujourd'hui? Déjà va falloir agrandir la cabane, parce qu'elle est bien trop petite. Non, ça me va pas du tout. Je sais bien qu'on est tout seul sur cette île, mais on a le droit quand même à un petit peu plus de confort, voyez-vous. Ensuite, on va certainement construire une grange pour nos poulets. Ouais, parce que là, ils sont dehors comme ça, ça va pas du tout. D'ailleurs, il y en a quelques-uns qui sont morts. Je sais pas de quoi. Certainement de froid. Ensuite, le champ de blé ici, ça va pas du tout. Tiens, celui-là, il est prêt. On va le prendre. En fait, j'étais en train de me dire, cette île, après tout, elle est à nous. Eh bien, pourquoi pas s'étendre un petit peu? Ce serait plutôt sympa. I feel it cold. Je commence à avoir froid. Ah bah ouais, tu m'étonnes, ça pleut. On va rentrer à l'intérieur en attendant que la pluie cesse. On va très certainement se reposer un petit peu. Voilà, nickel. Et bah la pluie n'est pas partie, c'est parfait. Alors aussi aujourd'hui, double challenge. Mis à part la difficulté du jeu qui est déjà quand même bien hard, j'ai une petite boule de poil à surveiller qui se balade quelque part par ici, qui est juste ici. Voilà, et lui, il faut que je le surveille parce qu'il fait des bêtises partout. Et en fait, je ne peux pas le laisser tout seul à l'appart. Sinon, il ferait bien trop de bêtises. Voilà, je vous présente Nasco, il a 2 mois, c'est un petit chaton. En fait, suffit que je tourne le dos 3 secondes, il a disparu tel un ninja en quête d'aventure de sa prochaine bêtise. Je te laisse faire un petit coucou à la caméra. Bonjour tout le monde, je suis Nasco, je te surveille boule de poil. Allez, va. Bon, ceci dit, on va sortir de là, on va aller jusqu'au radeau jaune là-bas parce qu'en fait, j'ai quelque chose à vous demander. Mis à part le petit pouce bleu, les gens, si vous êtes toujours chaud pour la série, bien entendu, montrez-moi que vous êtes là. On veut vous entendre dans les commentaires, on veut vous voir. Vous me faites péter la barre de like sous la vidéo, ça fait toujours plaisir. En fait, je voulais simplement vous demander s'il y a une âme charitable dans les commentaires qui pourrait mettre pause sur chaque feuille que je croise et me faire une traduction en français de tous les challenges. Voilà, tout simplement, on fait comme ça. Vraiment, la personne qui fera ça dans les commentaires, vous mettez juste pause sur chaque feuille que j'ai passée et vous me faites une petite traduction en français, s'il vous plaît, dans les commentaires. Je vous remercie grandement. Il y a 26 challenges à traduire, ce serait vraiment génial. On va retourner sur notre île en espérant que le gardien, il va pas nous finir avec son rayon laser. Non, parce que lui, il est toujours dans le coin, voyez-vous. Alors aujourd'hui, les gens, j'ai appris quand même beaucoup plus de choses que la dernière fois. Vous allez voir quand même que c'est beaucoup plus intéressant quand on connaît le jeu, parce que la dernière fois, j'avais pas bien compris, en fait. Des fois, il me dit je suis fatigué, j'ai froid et tout. Donc en fait, tout simplement, eh ben tiens, pendant que je vous parle, la pluie vient juste de cesser. Quand il me dit j'ai sérieusement froid comme ça, il faudrait vraiment trouver un feu. Quand il nous dit quelquefois dans le chat aussi qu'il est lent, et ben en fait c'est qu'il faut boire. Donc ça des fois j'avais pas bien compris. D'ailleurs on va boire maintenant, voilà, impeccable. On va remplir des fioles d'eau et on va se faire un petit bout à manger quand même. Oui oui mes cocottes, vous allez passer à la casserole, bougez pas. C'est quand même plus agréable quand ça s'arrête de pleuvoir, non? Et on va également faire cuire les poissons juste ici. Alors la dernière fois aussi, souvenez-vous, on a trouvé un journal. Je l'avais toujours pas lu. Journal par Ronald Original. Nous sommes le 5, je ne peux pas faire de feu. Donc je me force à manger de la chair crue et des volailles salées. Je ne vais pas vivre longtemps. J'espère que le Seigneur aura pitié de mon âme. Le 6, j'ai bu ma propre urine et chair salée. Le 7, 8, 9, 10, 11 et 12, c'était comme avant. Très bien. Eh bien, c'est pas joyeux tout ça. On va tâcher de ne pas finir comme lui, voyez-vous. Donc, nous, ce qu'on va se faire, on va se faire une pelle, les gens, tout simplement. On va se faire aussi une petite hache d'avance, ce serait pas mal. Et on va également... Bah déjà, on va également récupérer ça. Et on va faire fondre un petit peu de ferraille. Voilà, ici, ça en est où? J'ai tous mes poissons, c'est bon, c'est parfait. Alors, je sais plus si je vous ai montré un petit peu ce qu'on avait dans le coffre. Bon, en fait, ça a pas bougé depuis la dernière fois. Hein. On a toujours les mêmes choses. On va planter de la canne à sucre. Gravier, on met ça là-dedans. Le bois, pour l'instant, ok. Tout ça, c'est bon. Crâne de squelette, on l'a toujours sur nous. Les poissons, on va les garder, ça peut nous servir. Le seau aussi. Je vais ranger un petit peu pour les maniaques de l'inventaire. Voilà, on va mettre ça comme ça. Crac, voilà, comme ça c'est rangé, c'est nickel. Donc ce que nous allons faire les gens, tout simplement, déjà c'est qu'on va agrandir le champ de blé. Parce que franchement ça me va pas du tout comme ça. Salut mes cocottes, ça va bien se passer. Attendez, les cocottes, les cocottes. Les cocottes, on va voir si on peut leur faire des petits frères et des petites sœurs. Non, raté. Oh, il y en a un. Oh putain, merde, excuse. J'ai balancé un œuf dans la gueule. Yes, 2. Nickel. Bon, impeccable. Commençons, mes amis. Déjà, il nous faut de la terre. On va manger un petit bout. Voilà. Miam, 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 miam. Qu'est-ce que c'est bon. It's delicious. Déjà, on court un peu plus vite. Il nous faut de la terre. On en a que 2.
What? Bon bah écoutez, on va aller chercher de la terre, hein. Doit y en avoir sur l'île. Putain, mais ça va déjà faire nuit, mais ça va tellement vite, c'est un truc de malade, quoi. Alors, de la terre, c'est parti, let's go. On va ramasser un petit peu tout ça. Voilà, c'est parfait, on a de la terre. Et ce qu'on va faire maintenant, on va mettre un petit peu de terre comme ça. Voilà, putain, ça commence déjà à faire nuit. Oh là là, mais ça va tellement vite, quoi. Les journées passent à une vitesse. Voilà, je ne sais pas ce que vous pensez de notre champ, mais moi, pour le moment... Je le trouve plutôt classe. Ah merde. Off, tu me diras après, je décalerai un petit peu le porc. Ah yes, ça c'est cool. Au niveau des graines de blé, qu'est-ce qu'on va avoir? Je crois qu'on n'a pas grand-chose là, franchement. Putain, on n'a rien, tu veux dire, ouais. C'est un truc de malade. Alors attendez, est-ce qu'il y a moyen qu'on récupère de la graine de blé ici? Écoutez, on va tout récupérer ici. Voilà, on va récupérer absolument toutes les graines. Voilà. On va plutôt planter ça par là. En fait, je vais plutôt mettre les trucs au bord de l'eau même. Attendez, on va enlever... Mais qu'est-ce que tu fous là, toi? Hein? Attendez, parce que... Mais c'est un truc de fou. Il est passé derrière ma caméra. Attention, hein? On fait pas de bêtises, hein? Quand je vous dis qu'il fait des bêtises, il passe partout. Est-ce que tu veux m'aider à finir ma cabane dans Minecraft? Oui, je veux bien. Bon, il a dit oui. Alors tu viens là. Voilà, tu vas sur le bureau et tu fais pas de bêtises. Et tu laisses ma souris. Non mais attends, voilà déjà une bonne chose de faite les gens. Ce que j'ai envie de faire également, c'est qu'on va se mettre un petit peu plus de lumière sur l'île. Est-ce qu'on a du bois quelque part? On a un petit peu de bois ici, on en a là. Nous allons nous faire un petit peu de charbon. Voilà, c'est parfait, on va se faire un petit peu de charbon comme ça. Et puis du coup, ici, on va se prendre ça et on va se faire des torches. Il est tellement intrigué par ce que je fais dans Minecraft. T'as pas l'impression de gêner des fois devant mon écran, non? Hein? Va faire des bêtises, vas-y, tiens. Pars à l'aventure. Bon, on s'est fait quelques torches, les gens. C'est parfait. Voilà, comme ça, on va se mettre un petit peu de lumière. Ça va quand même égayer un petit peu tout ça, voyez. Ici, du coup, ça va plus nous servir à rien, hein. On va enlever tout ça. Alors là-bas, on avait visité l'île, ça c'est ok. Celle d'en face, on l'a visité aussi, on a mis une torche. Donc, on n'a pas été là-bas. On n'a pas été au fond là-bas non plus. On n'a pas été encore... plus là-bas au fond. Au final, on n'a pas visité grand-chose. Hein. J'ai sérieusement froid. Ce qu'il faudrait qu'on se fasse, c'est du feu. Déjà, on va agrandir la cabane. Ce qu'on va faire, c'est agrandir un petit peu ici. Voilà, nickel. Donc là, c'est déjà un peu plus grand. Alors aussi, toujours dans les commentaires, n'hésitez pas à nous dire les objectifs qu'on pourrait se fixer. Si vous avez d'autres objectifs en tête. Mis à part tous les objectifs... qu'une bonne personne dans les commentaires va me traduire en français, s'il vous plaît. Ça m'éviterait vraiment de le faire. Et puis comme ça, nous, on peut se concentrer à autre chose à côté. Donc, déjà, on va agrandir... What? Qu'est-ce que j'ai foutu? On va agrandir un petit peu la cabane. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai mon cœur qui bat. Je suis lent. Alors, quand je suis lent, les gens, comme je vous ai dit, j'ai appris de mes erreurs. Il me semble qu'il faut juste boire un coup. Voilà, c'est parce qu'on a soif. Voilà, c'est ça. Regardez. Et hop, on est plus lent. Voilà, yes. Donc, ça, on va agrandir ça comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est plutôt pas mal comme ça. Hein. Comme ça, je pense qu'on va se faire un petit coin cheminée par là, histoire de faire un feu et tout. Bon, c'est parfait, les gens, comme ça. Nickel. On va récupérer notre bois juste ici. La cabane est agrandie. Ça, c'est fait. Alors, ce que je vous propose également, c'est qu'on plante un petit peu de bambou par ici. Comme ça, ça va bien pousser. Là, on est en train de se faire un bon truc, voyez? Sors de là! Saloperie! Regardez la tête d'innocent qu'il a. C'est un vrai démon. C'est le diable incarné en lui-même. Tu peux me regarder avec tes yeux de chapeauté, mon vieux. Ça marchera pas avec moi. Je ne tomberai pas dans le panneau. Il y en a une de vous qui va passer à la casserole, mes cocottes. Hein. Je vais pas avoir le choix, moi. Attendez, je vais peut-être voir si je peux leur donner un petit frère ou une petite sœur. Ouh, poup, poup. Ça, c'est pour moi. Je prends. Loupé, loupé. C'est comme si tu jouais au loto. Tu vois, c'est pareil. Il y en a un, c'est bon. Et il y en a qu'un. Ah, attendez, j'en ai encore un. Eh ben non, loupé. Eh ben, vous aurez un petit frère ou une petite soeur. Regardez-le. Regardez-le, il est tout mignon. Il me regarde avec sa tête. Il se demande où est-ce qu'il a atterri. Tout le monde le rejette. Ils sont tous sur les côtés. Il est tout seul au milieu. Allez, va jouer avec tes frères et soeurs, mon vieux. Putain. Oh, saloperie. Alors toi, bah, je peux te dire que t'es mal tombé, ma cocotte. Voilà, t'aurais pas dû sortir. Ça tombe bien, on avait besoin de manger. Voilà, on va faire cuire ça. Ici, on a du verre. Oh putain, j'en ai fait bien trop, mon vieux. On va faire des vitres. Voilà, ça, c'est bon. Et on va mettre ça juste ici. Crac et crac. Nickel. Et on partirait bien un petit peu à l'aventure sur une île qu'on n'a pas encore explorée, voyez-vous. On va poser des trucs dans l'inventaire déjà. Et on va dormir un petit peu, s'il y a moyen. Ouais, yes. Eh bien, quelle belle matinée qui s'annonce là! On va faire nos petits étirements du matin. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et on est parti. Écoutez, on va prendre le strict minimum sur nous. De l'eau, des haches, pelle, pioche, canne à pêche, ok. Du bois, on va garder si on a besoin de se faire un feu. Le briquet, on va le prendre, bien sûr. La pierre, on va prendre. On prend un peu de bois si on a besoin de se faire un établi. Deux radeaux. Eh! Arrête, hein! Non! Eh!
Qu'est-ce que t'as bouffé? Qu'est-ce que t'as mangé? T'as mangé un truc là? Non? Regardez-le, le coupable! Il est là! C'est lui là! Qu'est-ce que t'as mangé? T'as fini de faire des bêtises? Hein? Le diable incarné! Un vrai démon, je vous jure! On va peut-être bien y arriver, un de ces quatre, à avancer, mon vieux! Ah, c'est pas évident avec lui, hein! Voilà, cette fois-ci, on est parti! Par contre, je vais prendre ça. Et on va se faire cuire un petit minerai de fer. Et un poulet, on prend sur nous. Allez, let's go! On va aller visiter cette île-là, les gens. Celle qui est juste en face. Oh, et puis regardez, on a une île encore là-bas à visiter. Mais il y a des îles un petit peu partout, j'ai l'impression. Hein. C'est quand même un truc de fou. Hop, ok. Bon, d'accord. D'accord, mon radeau s'est pété. Putain, heureusement que j'en ai pris un deuxième. Ouh, il y a une petite poule là-bas. Ça, ça me plaît bien, voyez-vous. Alors déjà, on va voir si on peut récupérer des graines de blé, pour commencer. Il y a un bateau à visiter. On va peut-être trouver des choses intéressantes à l'intérieur. Il y a de la ferraille à prendre. D'ailleurs, on va la prendre tout de suite. Oh putain, on est fatigué. Mince, je crois qu'il faut juste se mettre auprès d'un feu. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va on va faire cramer un bloc de terre, histoire de. On va se mettre à côté. Il me semble que pour enlever la fatigue, c'est juste rester auprès du feu. Eh ben écoutez, je peux pas être plus autour du feu là. Bon, et bien visiblement, c'est pas le feu. Nous, on va récupérer tout ça. Tapis rouge. Ouh, de la ficelle. Ça, c'est bon ça. Pépite d'or, je prends aussi. Qu'est-ce qu'on a par ici? Un bâton de blaise, je prends, je sais plus à quoi ça sert les bâtons de blaise, mais je sais que c'est bien. Hop, on se casse de là, on a un coffre là-dedans, potion de respiration aquatique, ouh, ça c'est bien ça, ça c'est très très bien. Et un radeau, c'est parfait. Bon, on s'est mis pas trop mal les gens, par contre ceux-là, vous allez finir à la casserole, hein. Ça c'est sûr et certain mon dieu. Bon les gens, on y retourne à la maison, je vais vous faire un petit bilan de l'expédition, j'ai tout rangé dans les coffres. Pour le moment, on a faim, on a froid, on a deux de lenteur. Donc déjà, ce qu'on va se faire, c'est qu'on va faire une petite récolte par ici. Voilà, ça, on va récolter. On va replanter et je pense qu'on va se faire des cookies. Voilà, ici, crac, on va se faire ça comme ça. La canne à sucre, ça a bien poussé. On va en replanter. Voilà, bah là, on en a récupéré, mais masse, quoi. On va replanter tout ça au bord de l'eau. Donc, ce qu'on va se faire, les gens, c'est que on va se faire des petits cookies à manger. On va se prendre ça, voilà. Oh, putain, mais je suis en train de... Je suis en train de me mettre mal à chaque fois, là. Donc, il me semble que pour faire les cookies, si je m'en tiens à ce que vous m'avez dit dans les commentaires, ça doit être ça. Effectivement, c'est ça. 40 cookies, c'est parfait. Est-ce que ça remonte bien la faim? Pas plus que ça, hein. Mais c'est pas grave, on en a fait 40. On a récupéré de la patate, c'est cool. Également, on va boire un coup. Par contre, il y a un truc qu'on va faire tout de suite. Et ça, ça me chagrine depuis le début. Voilà. On va faire... Non. Mais arrête! Putain, mais c'est pas vrai! Mais il a encore éteint mon écran! Ça fait deux fois, il éteint mon écran, là. T'as fini tes bêtises? Tu vas me laisser jouer, tranquille? Allez, va. Là-bas. Voilà, moi c'est ça que je voulais faire les gens. C'est quand même un peu plus présentable, voyez-vous. Voilà. Bon les gens, du coup j'avais dit qu'on se ferait un petit coin cheminée. On va se faire ça de suite. Non, 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 la pierre ça prend pas feu. La pierre ça prend pas feu. C'est des conneries. Mais c'est une blague. Mais non. Mais c'est quoi ça? Bon, eh bien les gens, ce sera une cheminée de décoration. Non, franchement je comprends pas pourquoi ça prend feu comme ça là. Peut-être que j'ai pas mis assez de pierres, je sais pas. Bon, écoutez les gens, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo sur Stranded Raft. Là, on commence vraiment à se mettre bien. Au niveau de la bouffe, ce sera bientôt plus un problème. On a un champ de blé qui commence vraiment à être pas mal. Un champ de canne à sucre de ouf. La prochaine fois, je pense que ça va commencer à devenir un peu plus intéressant. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines aventures. Au revoir tout le monde. Bye bye. Tu dis au revoir. Un petit miaou. Miaou. Non? Tu veux pas? Au revoir.